Vous souhaitez imprimer un arbre généalogique? L'exporter en PDF pour l'envoyer à un proche? Découvrez comment procéder. Pour vos impressions et exports, Philae vous propose des arbres avec les ancêtres, l'arbre ascendant, les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et plus, l'arbre descendant. Les ancêtres et les descendants avec l'arbre mixte. Une fois votre généalogie à l'écran, cliquez simplement sur l'icône de l'imprimante. Vous avez à votre disposition des arbres complets et des arbres décoratifs. Quelles sont les différences? Cliquez pour les découvrir. Les arbres complets sont sans limite de génération et réalisés avec des cases simples mais colorées. Vous avez un arbre ascendant, un descendant et un mixte. Les arbres décoratifs sont uniquement ascendants avec 4 ou 5 générations. Le décor est plus stylisé avec un dessin d'arbre en fond. Un arbre part toujours d'une personne qu'il faut sélectionner. Dans la vue familiale, par exemple, cliquez sur la case de l'individu souhaité, puis sur l'icône centrée. Cliquez sur l'icône de l'imprimante, puis sur l'arbre souhaité. Choisissez le modèle, puis cliquez sur Télécharger le PDF. Patientez pendant la création du document. Votre document est prêt. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Télécharger le PDF », il s'ouvre dans votre navigateur Internet. N'utilisez pas les fonctions de votre navigateur qui n'ont pas les options nécessaires pour imprimer le document correctement. Votre arbre, qui peut faire 3 mètres de long, va être imprimé sur une seule feuille A4 et sera donc illisible. Si l'icône d'enregistrement n'apparaît pas, passez votre souris sur le document pour visualiser l'icône de téléchargement ou cliquez avec le bouton droit. Au lieu de cliquer sur le bouton « Télécharger le fichier PDF », nous vous conseillons de cliquer avec le bouton droit et de choisir « Enregistrer sous ». En enregistrant le fichier, vous allez conserver une trace de celui-ci pour le revoir, l'envoyer à quelqu'un et aussi l'imprimer correctement. Vous avez enregistré le fichier? Allez dans le dossier et ouvrez-le avec un logiciel comme Adobe Reader. S'il n'est pas installé, vous pouvez le télécharger gratuitement. Dans le logiciel, cliquez sur l'imprimant, puis dans les options, sur le mode Affiche, qui permet d'imprimer sur plusieurs pages. Regardez l'aperçu qui indique le nombre de pages A4. Vous pouvez régler l'échelle et choisir un chevauchement pour mieux les coller ensuite. Si vous souhaitez imprimer l'arbre sur une seule feuille de grand format, vous choisissez le prestataire de votre choix et vous lui envoyez le fichier PDF. Pourquoi évoquer une liste? Le document se présente sous la forme d'arbre ascendant avec la possibilité d'y inclure un index. Le document obtenu est un fichier PDF, comme pour les arbres. La présentation et le format comportent plusieurs avantages. Le document s'imprime sur des feuilles A4. Vous avez un arbre de 4 générations ascendantes qui permet de voir où vous en êtes dans vos recherches. À la dernière génération, il suffit d'aller à la page indiquée pour visualiser la suite. Vous avez un index des personnes très pratique pour trouver un individu dans le document. À vous maintenant de choisir le document, de l'exporter et de l'imprimer.